vedrai farfallone amoroso. Notte giorno ti torno girando. Bien sûr, parce que j'ai commencé à étudier quand j'étais jeune directement la musique de Mozart. Je dois dire que plus encore que la musique, ça toujours m'a touché les personnages, parce que cette de Mozart pour moi c'est théâtre, c'est vrai théâtre. Et bien sûr donc que j'ai tous les fois que je me rapporte avec les personnages de Mozart, je me trouve en face à des personnes vivantes qui te parlent et qui te demandent de lui donner dans la scène vraiment quelque chose de plus qu'on fait souvent dans les personnages d'autres littératures musicales. Donc c'est vraiment un grand défi tout le temps. Pas seulement parce que la ligne vocale c'est très exigeant, comme je dis toujours, c'est peut-être le plus exigeant de tous parce qu'il nécessite une purité et en simplicité, on dit ça en français, on dirait simplicité, que c'est la chose plus difficile à faire pour un chanteur, et de semblant, faire semblant tout à fait naturel. Et donc, pour trouver ça, tu dois vraiment t'exerciter les souffles, les contrôles de la voix. C'est vraiment tout à fait différent que chanter les grands rôles de Puccini, de Verdi même.